Charles, t'as mangé ? Allez, on y va, on se met. Mais je me suis dit, mais il y en a un, d'où il vient ? J'avais dit, j'ai eu mon avis avec une seule d'or. Oui, mais c'est venu. D'après, j'ai bien vu dans le Non. Et attends, je te dis juste une chose. J'ai prévenu le commandant Crucière, mais il m'a dit tu le fais. Non. Bon, lieutenant, simplement. Ce type d'opération, comment ça se passe? Comment ça se déclenche? Et quels moyens vous mettez en... Ce qui s'est passé, on a été appelé aux alentours de 16h. Donc pour un feu de forêt au-dessus de Benavo. Donc voilà, notre premier véhicule, un camion citerne feu de forêt, s'est présenté sur les lieux et a vu... un sinistre important. Donc il a demandé tout de suite en renfort deux camions citernes feu de forêt en plus du premier. Et ensuite, donc, les moyens sont engagés, un chef de groupe, donc moi-même, plus le chef de colonne, le commandant Crucière, qui est venu nous rejoindre. Un camion citerne grande capacité, donc un camion qui a 10 000 litres d'eau, qui nous amène 10 000 litres, parce qu'en forêt, le problème, c'est qu'on n'a pas de point d'eau facilement accessible. On a eu donc également... deux VLTT, donc des véhicules légers tout-terrain, des 4x4, pour aussi intervenir sur l'intervention. Donc on a également plusieurs centres ont intervenu sur le sinistre. Donc on a eu donc Épinal, on a eu Golbet, on a eu Uecle, on a eu Remiremont, on a eu Archette et on a eu Girancourt également, qui sont venus donc nous renforcer pour cette intervention. Donc vous êtes tout mouillé? Tout mouillé, donc il y a eu environ 2 hectares qui ont été brûlés. Donc voilà, donc le feu a été maîtrisé au bout d'environ 1h30 à 2h. Et donc voilà, donc là on procède au rangement du matériel comme vous pouvez voir derrière vous. Et vous pressez vos hommes pour qu'ils aillent manger? Ben, c'est important après une intervention de, on va dire, presque 4 heures. Bon, il faut quand même se ravitailler et s'hydrater puisque on transpire quand même, je veux dire. On a des explications pour ces sinistres là? Pour l'instant aucune explication, donc on a été prévenu par un témoin et... voilà, on a vu que le feu avait pris, mais ça, on ne peut pas savoir d'où ça a pu provenir. Les conditions météo, peut-être? Je ne sais pas, peut-être, ou même un mégot, malencontreusement, par un promeneur ou autre, on ne sait pas. On ne peut pas savoir si c'est accidentel ou une autre cause qu'on ne peut pas définir. Mais en tous les cas, ça a fait un sinistre important avec des flammes, par moment, de plus de 10 mètres de haut sur certains sapins.